Les pailles et les sacs de plastique sont à nouveau légaux au Canada. C'est que le décret du gouvernement Trudeau qui interdisait les objets en plastique à usage unique a été invalidé par la Cour fédérale. Marc-Antoine, c'est tout un revirement de situation. Oui, effectivement, Véronique, vous reconnaissez certainement ces fameuses pailles de carton qui sont loin de faire l'unanimité dans certains restaurants au Québec. Tout un revirement de situation, vous l'avez dit, Véronique, parce que la Cour fédérale a statué un peu plus tôt cette semaine, jeudi, que le règlement, en fait, du gouvernement fédéral était illégal. Règlement, donc, qui qualifiait ces objets de plastique à usage unique comme étant toxiques pour l'environnement. Alors, c'est la juge qui a rendu le verdict dans ce dossier. Elle est d'avis que le gouvernement a interprété de façon un peu trop large. Qu'est-ce qu'une substance toxique et que ces objets de plastique ne sont peut-être pas aussi nuisibles pour l'environnement que le prétend le gouvernement fédéral. Évidemment, on vous a posé la question sur le terrain. Quel est votre avis? Écoutons certaines de vos réponses. C'est reculé, vraiment. C'est reculé, puis il faut utiliser les choses qui sont plus comme les cartons, pour les pailles de carton. Même que ce n'est pas vraiment efficace, mais ça aide beaucoup à la planète. Ben non, parce que là, ils nous obligent quasiment à... récupérer. Puis là, bien, la cour a revu ça à l'envers, fait que moi, c'est plus qu'on s'en va que ça, là. C'est pour nos enfants, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour la planète, c'est pour les années à venir, c'est notre vie, là. C'est la vie des enfants, de nos enfants. Il faut les protéger, là. Bon, ne sautons pas aux conclusions trop rapidement, Véronique. Faudra certainement pas dire adieu à ces pailles de carton, en tout cas pour le moment, parce que cette décision de la Cour fédérale, elle ne prend pas en compte les règlements municipaux, comme ici à Montréal, où l'on a banni depuis plusieurs mois déjà le plastique à usage unique, et ça va demeurer ainsi. Également, du côté des restaurateurs, il faut dire que cette transition écologique du plastique au carton, elle est amorcée depuis plusieurs mois, Véronique, et chez les restaurateurs, on n'a pas envie de revenir vers l'arrière. Écoutons Martin Vézina. Pour plusieurs exploitants, on a fait la transition. Juste vous dire, acheter des contenants styromousse, ça va être très compliqué. En date d'aujourd'hui, les producteurs n'en font plus. Les entrepôts des distributeurs sont vides. Donc, on ne peut pas penser que demain matin, là, les pailles en plastique, les contenants styromousse vont revenir. Il n'y en a pas sur le marché. Et de toute façon, nos membres, ils ont été prêts. Là. Ils ont fait cette étape-là. Et ils ne pensent pas revenir nécessairement en arrière. Vous dire en terminant, Véronique, que le gouvernement n'a certainement pas dit son dernier mot. Il souhaite contester cette décision en allant en appel. Bien intéressant. Merci, Marc-Antoine.